Nous sommes sur une exploitation polyculture élevage bovin lait, sur un climat sous influence continentale et méditerranéenne, avec une pluviométrie moyenne de 750 mm par an. Le changement climatique accentue les irrégularités avec des pics de fortes pluies ou de fortes chaleurs. Nous connaissons de gros problèmes d'érosion sur nos sols vallonnés. Pour limiter ces problèmes d'érosion, nous n'avons plus de sol nu l'hiver grâce à la présence de deux types de couverts végétaux que nous avons mis en place. Le premier étant constitué de Vess faceli faverolles qui seront restituées au sol pour la culture suivante, notamment le maïs semence. Le deuxième, c'est un métaille avec une association de plusieurs cultures qui sera destinée pour l'alimentation des vaches laitières. Ces deux couverts végétaux nous permettent de régler ces problèmes d'érosion, de limiter la présence d'adventices, d'accroître l'efficience de l'eau en augmentant la capacité de rétention du sol, aussi d'enrichir le sol en azote, ce qui limite l'achat d'engrais, et tout le suivi de ces couverts au sein de notre réseau Target est assuré par les BTS AXE. Dans un souci de valoriser nos parcelles de bois et dans une optique de stockage carbone, un partenariat avec la Poste a été mis en place. Nous avons réalisé la plantation de 3 hectares de friches, soit 3300 arbres qui ont été plantés avec 10 essences différentes, un mélange de feuillus et de résineux. Un objectif de stocker 500 tonnes d'équivalent carbone sur 30 ans. Ce sont principalement les bacs techno et aménagements qui ont suivi cette action, avec plus de 200 lycéens qui ont participé à la plantation.